Bien le bonjour tout le monde, ici Azara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 8 de State of Decay, Breakdown, comme d'habitude. Ça fait deux fois que je tourne l'épisode, en fait. Deux fois, parce que j'avais plus assez d'espace disque, et au moment du montage, j'avais la moitié de ma vidéo qui avait foutu le camp. En gros, ça se répétait, l'image se figeait et tout, je dis merde, c'est quoi ce délire? Et je regarde la taille de la vidéo enregistrée, c'est 300 MO, alors que normalement ça fait je sais pas combien de gigas. Enfin voilà, j'ai fait de la place et je dois recommencer l'épisode. Bon, c'est pas très très grave. Moi, je vais devoir répéter ce que j'ai déjà dit avant, mais vous, ça sera la première fois que vous l'entendez. Donc, voilà, c'est pas grave. Le son de ma voix a changé, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai enlevé la suppression de bruit du micro. Parce qu'en fait ça faisait un son dégueulasse. Essayez de comparer avec l'épisode précédent. Vous verrez, le son de ma voix est dégueulasse. Là, on entend plus nettement ma voix, mais on m'entend moins. Alors j'ai baissé le son du jeu, tout ça. Je vais essayer de trouver un stratagème au montage. Histoire que ce soit... que ça reste agréable, voilà. Mais rassurez-vous, quand j'ai tourné la première fois l'épisode, il s'est pas passé grand-chose. J'ai juste looté quelques trucs. Voilà quoi, la routine, et j'ai pas de nouveaux survivants, j'ai rien fait de particulier. Donc voilà, j'ai juste fait quelques sorties, quelques avant-postes, vite fait, et c'est tout. J'ai lancé quelques constructions aussi, une amélioration de tour. À mon avis, elle est toujours pas finie là. Je ne pense pas. Alors, amélioration retardée, ouais voilà, base recensement compte. À cuisiner un bon repas, ça c'est bien. A découvert une zone où se trouvent des médicaments, voilà, ça c'est bien aussi. Alors, limité par la réputation, a découvert une zone où se trouvent des médicaments. Ouais. Besoin de ménager médicaments, ok, c'est là-bas. Donc on va y aller. Alors, niveau véhicule, j'ai mon taxi. Bon, premier objectif, faire un avant-poste de médicaments. Avec un peu de chance, on va pousser l'attaque, les avant-postes, oui, t'inquiète pas, je vais te les faire tes avant-postes. T'inquiète donc pas. Donc voilà, je recommence le tournage en espérant que cette fois, ça passe. Normalement, ça devrait aller, j'ai 60 gigas de libre. Le souci, c'est que mes disques durs sont partitionnés. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc voilà, ils sont divisés. Oh merde, ça commence à me casser les couilles ce zombie. Et voilà, ils sont divisés. Les disques durs sont divisés en deux. C'est complètement con et chiant. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à les repartitionner. Enfin, je peux les faire. Je peux les fusionner. Le souci, c'est qu'il faut que je supprime les données d'un des disques durs. Dans un des disques durs, il y a les fichiers système. Dans l'autre, il y a tous mes jeux. Donc tant pis, je vais laisser comme ça. Et je peux pas faire autrement quoi. Donc alors, des médicaments, ressources alimentaires, encore une fois. Allez, il y a bien des médocs quelque part. Si elle me dit qu'il y a des médicaments. Salut toi. On va pas te déranger plus longtemps. Si elle me dit qu'il y a des médicaments, c'est qu'il y en a. Bah vas-y, fais du bruit. C'est un militaire, ça. Donc là, pas de médoc. Là, j'ai fouillé. Ouais, j'ai fouillé. Le souci, c'est que je me repère pas trop. En pleine nuit. Ok, donc ça sera ici. Dépêche-toi, parce qu'il y a un zombie qui arrive. Fais pas de conneries. Ressources médicales, voilà. Donc, hop, un flingue, club de golf, cocktail, on prend tout. Comme ça, tu rentres chez les gens, toi. Il se prend pour qui, lui? Allez, hop. Voilà, avant-poste médical, voilà, ça j'en avais besoin. Car j'en avais pas encore, il me faut maintenant. Là, c'est la tournée des avant-postes. Hein. Alors, j'ai deux alimentaires, deux matériel, un médical,
Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est... Ah non, j'ai qu'un seul matériel. Waouh, les zombies qui pop comme ça. En mode rien à foutre. Dégage! Ah, il s'accroche, hein! Il s'accroche. Eh, vous savez quoi? Je vais aller à la troisième ville. Je vais poser mon sac. Je vais poser mon sac ici. Voilà. C'est de la bouffe. Et je vais aller à la troisième ville. Au point d'observation. J'ai envie de voir ce qui se cache dans la troisième ville. Donc, niveau format de vidéo, là, je vais rester... Alors, je compte rester à 20 minutes. Mission, les survivants sont encerclés par des zombies. Assiégé. Oh, merde. Ouais, j'irai plus tard. Tant pis. Donc, je compte rester à 20 minutes. Après, ça peut m'arriver de déborder. Voilà, si je déborde jusqu'à 30 minutes, c'est pas grave. Mais c'est vrai que le format 20 minutes, ça me facilite un peu la vie. Niveau montage... Ah, mais quel con! Mais putain, voilà, je suis en train de parler. Et je me prends un poteau. Niveau montage, tout ça, ça me facilite quand même grandement la vie. Niveau poids des vidéos, temps d'upload. Comme ça me permet d'en sortir plus régulièrement. Plutôt que de sortir une vague de grosses vidéos et plus de vidéos pendant une semaine, tu vois. Là, je peux en sortir des petits... Enfin, petit peu par petit peu. Histoire que ce soit un peu plus régulier. Bon. Hop, 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 hop. Alors, je voulais aussi vous faire une présentation de free-to-play encore. Mais j'hésite. J'hésite sincèrement. Je voulais faire une petite vidéo de gameplay de APB Reloaded. L'espèce de GTA-like. Mais le souci, c'est que la communauté est à chier. J'ai jamais vu une communauté comme ça sur un jeu. J'ai demandé... Ah oui, on m'a dit qu'il y avait des munitions dans le... dans l'hélicoptère. Je sais plus qui m'a dit ça. Un abonné, dont j'oublierai le nom, je suis désolé. Il me semble que c'est Dovakin, non? Je sais plus. Ouais, y a du monde. Ah putain, je savais, mais en plus, je suis trop con, moi. Je recule comme ça, tranquille, je tourne le dos. Oui, c'est pas grave. Non, je vais pas tirer. C'est une connerie. Là, parce que franchement, à ce niveau de difficulté, les coups de feu attirent énormément de zombies. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus qui spawnent. Et ça va, elle se débrouille pas trop mal au combat, elle, donc devrait pouvoir... Voilà. Ceux-là, ils m'ont pas vu. Je vais pouvoir fouiller tranquillement cet hélicoptère. Donc on m'a... un abonné m'a dit que c'était bourré de munitions. On va vérifier ça. Non. Tu fous de ma gueule. Mitraillette Super Z. Une innovation en termes d'ingénierie, configuration de pistolet. Ding. Lance-grenade M32. Non. Non. Attends, du coup ça je vais détruire, j'ai plus de place. Je prends des grenades. Lance-grenade. J'ai envie d'essayer de lance-grenade. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, caisse de munitions. Allez, je vais les mettre dans le coffre. Alors, j'essaierai bien de lance-grenade, mais le souci, c'est que... Je vais attirer je sais pas combien de zombies avec ça, c'est sérieux. Alors, les munitions, c'est pas très très utile. C'est surtout pour... faire des échanges commerciaux et tout. Et alors attends, hop, toi tu vas dans le coffre aussi. Pouvoir faire des échanges commerciaux. Ah bah le point d'observation il est à côté. Nickel. Je pensais qu'il était un peu plus loin, j'avais pas fait gaffe. Parce que c'est vrai que les munitions on s'en sert pas des masses hein. Les caisses de munitions je veux dire, la ressource munitions. À part pour la tour, je vois pas trop à quoi elle sert en fait. Ouh, il y a un gros zombie là, j'avais pas vu. Un mastodonte. Il va falloir que je fasse très attention. Donc, faut encore que je monte. Là, d'ici, je vais avoir une vue imprenable sur la. Ouh, il y a un cimetière là-bas. Je vais avoir une vue imprenable de la troisième ville. J'ai pas intérêt à me casser la gueule par contre. Alors, vous êtes encombré. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, hop,
Voyons voir. Entrepôt. Entrepôt. Supérette. Regardez voir pas mal de choses ici. Site de base potentiel. Hurleur. Stock militaire. Entrepôt. Stock militaire. Oh la vache. Hurleur. Orange. Stock militaire, putain. Entrepôt. Stock militaire. Oh là là, c'est un truc de ouf. Hein. Il doit y avoir trop plein de ressources. Entrepôt. Toilette publique, ouais, pourquoi pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un fast-food. Bureau. 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 Bon, les bureaux, peut y avoir quand même quelques trucs. Ah, site de base potentiel. Hurleur. Fourré. Véhicule. Site abandonné. Hurleur. Ça paraît site abandonné, je pense. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah non. J'ai oublié celui-là. Toilette publique. Et là. Horde de zombies. J'ai fait le tour là, non? Alors il me dit que j'ai oublié des trucs. Tu as jeté un coup d'œil à ce qui se passe dans les rues ces derniers temps? C'est comme si c'était tous les jours le carnaval des zombies. Destruction des hordes profite à tout le monde, ouais. Bah, je suis désolé, mais je suis occupé. On peut pas tout faire. Donc stock militaire, ça c'est bon. Ah voilà. Mastodonte. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pourtant, bon, c'est pas grave, j'ai découvert le principal. Alors, le site de base potentiel, c'est lequel? Grange. Ok, donc champ de foire du comté de Trumbull requiert 10 personnes, 50 matériaux. D'accord, y'a rien d'autre comme. Ah, faudrait que j'aille là-bas pour voir. Donc l'idéal, ça serait ici. Ouais. Je sais pas si ça vaut mieux que la base là-bas, la grosse. Je sais pas, ça à voir, franchement, champ de foire. Ce l'autre, c'était pareil, hein, c'était 10 personnes, 50 matériaux, il me semble. Hein, c'est exactement la même chose. Bon, je vais descendre. Par contre, j'essayerai bien le lance-grenade. Une horde de zombies s'est dirigée vers la base. Oh putain, j'espère qu'elle va se faire avoir par les pièges. Horde de zombies approchant la base. Oh merde. Ça sent l'attaque là. Ça sent l'attaque à plein nez. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de rentrer. Et je vais recueillir des ressources. Tant pis, j'explorerai quand je viendrai m'installer ici. De toute façon, je sais pas si je vais m'installer dans la troisième ville maintenant ou quand je serai niveau de difficulté maximum. Ça, je sais pas encore et j'hésite. J'hésite sincèrement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire soit je m'y installe maintenant. C'est pas par là, si. Ah, si. Soit je m'y installe maintenant, soit... Soit j'attends un niveau de difficulté plus grand. En gros, le dernier, quoi. Comme ça, j'aurais plus à bouger. J'aurais plus à bouger de là où je suis, mais je serais pas obligé de tout recommencer à chaque fois. Et là, je pourrais vraiment m'installer définitivement, faire mes recherches, faire tout ce que j'ai à faire. On va se dépêcher de rentrer parce que... Ah, défense hors de zombies détruite. Du coup, je sais pas si je vais rentrer.
Ouais. Je tenais aussi à vous remercier, j'ai complètement oublié. Je suis en train de jouer et voilà. Je tenais aussi à vous remercier parce que là, on est à 616 abonnés. Franchement, merci à tous et bienvenue sur la chaîne. Oh putain! Non, ça va pas le faire. Je vais rentrer, faut que j'aille poser les sacs. Et bienvenue sur la chaîne à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, merci de vous être abonnés. Et j'espère que mon contenu vous plaira. Je vais rentrer vite fait, bien fait, là, parce que je viens de bugner ma bagnole. Le souci, c'est qu'il y a deux sacs remplis de munitions. Ça va pas le faire. Après, vous me dites, j'aurais très bien pu transférer et tout sur un autre véhicule, ouais. De toute façon, vous voyez, c'est pas très très loin, la carte est pas immense non plus. Hein. Là, on y est déjà. C'est pas un problème. Voilà. How's it going? How's it going? Heads up. J'ai envie d'essayer le lance-grenade. Hop. Alors, plus 5 munitions, donc 2 sacs, ça fait plus 10. Oh, je vais aller poser ce que j'ai looté. Dans le coffre. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de parler. Mais déjà tout à l'heure, hein, c'était comme ça. Pourtant, le moral est au maximum. Il se fout de ma gueule. On n'a pas de grenade. Je suis en train de vérifier. On n'a pas de grenade. Alors, le lance-grenade. Waouh, plus 100 d'influence, plus 70. Alors, ça, c'est des balles de calibre 45. Alors, je vais vite fait. Alors, ça, je vais le poser. Ça, je vais le poser. Je vais poser les cocktails. Ça aussi. Ça, je pose aussi. Je vais vite fait essayer le lance-grenade, j'ai trop envie d'essayer. Je pense que vous n'en voyez aucun inconvénient. Bon, il n'y a pas de zombies à l'horizon, donc je vais juste l'essayer à vide. Comme ça. Ah, c'est cheaté. Ouais, les munitions sont rares, donc je vais pas faire le coup. Maintenant, je vais prendre la mitraillette, comment ça s'appelle, la Super Z, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, j'ai 700... Moral bas, tristesse. Ouais. J'ai 700... 680... J'en ai perdu. Ah, j'ai perdu de l'influence parce que je crois que j'en ai tout simplement de trop. Et qu'il y a une limite. Bon, ça, je pose, ça... Je pose, là je suis à 804. Vous êtes plus encombré, bah oui, encore heureux. Alors ça c'est des calibres 45, j'en ai 20. Comment que c'est pour en prendre 10? Voilà. Donc ça c'est la. L'arme. Ouais, c'est une petite. On dirait un. Un Chris Vector. Ça ressemble à un Vector. Une espèce de petite SMG là. Ouais, c'est... Oh. J'ai attiré les onzons. Quoi? Bon, allez, je vais vite faire la quête du copain qui veut parler. Alors, est-ce que c'est lui? Et j'ai l'impression que c'est toujours lui qui est déprimé, c'est dingue. Allez, arrête de faire la tête. Voilà, c'est ça. Arrête de faire la gueule. On va aller bugner du zombie et tu seras heureux. Allez, grimpe. Ouais, tout à l'heure je vous parlais d'APB Reloaded, mais je crois que j'ai pas fini ma phrase en fait. Je sais plus. C'est quoi ce peuple? Mais regardez la carte! Y a pas de horde, hein. Je vous jure qu'il y a pas de horde. C'est juste des zombies comme ça, dans la rue. J'imagine même pas au niveau de difficulté. J'imagine même pas au niveau de difficulté max. Ça va être complètement. C'est ça qu'il faut que je nettoie, mais j'y suis déjà allé tout à l'heure. Pas de zombies là-dedans. C'est qui sont? Coucou! Merde! Oh merde, y'a du monde! Allez, allez, allez! C'est bien. Il
Il reste peut-être celui-là. Je suis un peu fatigué là par contre. Tu te sens mieux, je sais pas, peut-être. Non mais ça, ça m'a fait toujours marrer. Hein. En fait, les mecs, ils sont déprimés. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont casser du zombie. Ouais. Allez, viens, on va massacrer un peu de cervelle. Ça va te faire du bien. Alors, j'ai entendu des coups de feu. Allez, on rentre. Deux zombies approchant la base. Ouais, bah t'inquiète. La voiture est dégommée. Hein. C'est bien, fait le ménage, Sam Hoffman. Expert en tir. Allez, rentre à la maison. Tu te sentiras mieux. Voilà, crise évitée, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Alors toi, je sais pas ce que tu fais, t'es en train de léviter au-dessus du sol. C'est très bizarre. Bah l'autre, lui. Il s'est cru où? Eh, le jardin, ça pousse, hein. C'est beau, hein, franchement. Les mecs... Bon, ouais, je pense qu'on va se séparer ici, c'est pas passé grand chose. On a fait une petite exploration de la troisième ville. Et on sait un peu plus à quoi s'attendre. Donc là, il s'est pas passé grand chose. Après, je vais jouer en off pour récolter des ressources, parce que là, c'est surtout de la récolte. C'est pas très prenant comme activité. Voilà. Là, il se passe pas grand chose en ce moment. Il faudra aussi que je fasse des missions pour avoir plus de population, etc. Enfin bref, je vais vous laisser ici. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas fait. En attendant, j'espère que le gameplay sera un peu plus riche en augmentant le niveau de difficulté. Encore. Je vais essayer d'aller assez vite, histoire d'y aller à fond. De réparer le camping-car direct et de repartir pour augmenter bien le niveau de difficulté, histoire de bien se la mettre, quoi. Voilà. Donc, je vous dis à tous une bonne soirée, une bonne journée. Alors, la suite de sport bientôt. Malheureusement, sport, en ce moment, j'ai pas trop l'envie. Mais promis, ça viendra. Mais foutez le camp. Bref, je vais vous laisser. Promis, sport, ça arrivera bientôt. C'est juste que là, bon, je préfère y jouer quand j'ai vraiment envie d'y jouer. Voilà. Bon, allez, bonne soirée à tous et bonne journée. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.